nous allons faire baisser de 1 à 2 millions le nombre de chômeurs. – Quand on n'avait pas la même monnaie que l'Allemagne, les choses n'allaient pas mieux. – Ah oui, il n'y avait Entre pas… – Entre le Vend, non, non. <laughs> on dévaluait tout le temps et il révaluait tout le temps. Oui, – oh, mais, voilà. mais Oui, mais c'était… – Si, mais si vous avez de la mémoire et sans doute vous en avez, vous ne pouvez pas me contredire, je C'est exact, mais c'était pendant les 30 glorieuses où les Français… – Non, 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 non. pendant les années 80-90. – Mais 10. écoutez, Parlez, nous avons vu… Mais attendez, allez donc dire aux Grecs, et aux Espagnols. Non, je et parler, aux non, vous parlez des différences de monnaie. Quand les Allemands avaient le marque et nous le franc, ça n'allait pas mieux. Si, parce que ça, <laughs> je persiste ici. <sim>, ça <laughs> était pendant la période des 30 glorieuses. Et les Français se sont très bien portés. <laughs> nous, avons chômage, chômage. nous avons vu le chômage exploser depuis l'euro et ça va bon. continuer. Et cette discussion reprend Or, non. Bon, nous, 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 il, il faut se souvenir que nous avons vécu pendant euh, 30 ans ou même 40 ans, disons entre 1945 et 1985, dans une économie ou la présence des marchés financiers. La présence de la bourse en particulier, par quoi j'entends stricto sensu le marché des actions, était incroyablement réduite. Les marchés financiers étaient cloisonnés de partout, la circulation des capitaux entravée, le contrôle des changes effectif, la bourse elle-même était un marché croupion, les actionnaires n'avaient pas voix au chapitre, et dans cette économie-là, je vous le rappelle, la croissance était à 5% l'an et il y avait le plein emploi. Donc si vous voulez, même vu de loin, hein, et un peu sommairement, là aussi il y a une corrélation qui normalement devrait frapper des esprits. Mais il faudrait faire l'analyse beaucoup plus... Développé pour montrer que la bourse, je dirais même plus précisément la surrection du pouvoir actionnarial, a été un fléau économique du point de vue même des entreprises. C'est, J'irais presque jusqu'à soutenir qu'on pourrait enrôler une bonne partie du capital industriel dans cette croisade contre la bourse. Ça serait le paradoxe. Ça serait une alliance objective, comme dirait Lénine, et transitoire par le fait, puisque moi, ce que je m'efforce de penser également, ça n'est pas seulement. La fermeture de la bourse, ou la sortie des politiques d'austérité, ou une autre construction euh, monétaire européenne, ou un retour aux monnaies nationales, ou l'invention d'une monnaie commune un européenne. Un retour aux monnaies nationales, ça c'est une des théories de Marine Le Pen et du Front National depuis des décennies. Non, justement, pas depuis des décennies. Et c'est ce genre, c'est précisément ce genre de, contre ce genre de récupération que j'essaye de lutter pied à pied, car le Front National. Euh, avec à sa tête Marine Le Pen, est devenue d'une habileté stratégique redoutable et est en train de capter à peu près tous les thèmes de gauche, tant et si bien que la gauche critique, tétanisée à l'idée du stigmate extrême-droitier du Front National, abandonne les uns après les autres tous les thèmes que pourtant elle devrait avoir vocation à défendre. Euh, On ne va pas revenir à une monnaie nationale, mais une fermeture des frontières. Et pourquoi pas Mais non, justement, c'est précisément là l'amalgame contre lequel vous il faut résister. Européen. Mais d'abord, je, 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 qu'est-ce que ça veut dire être européen C'est ça, ça serait ça ouais, la ça question. Ça veut dire vivre dans cet espace économique, ah, euh, vivre dans cet, espace économique ah, et, vivre dans cet espace hélas, de... pas assez intellectuel ni culturel ni diplomatique ni militaire. Pour le coup, vous avez raison. Vous voyez donc, vous avez dit vous-même qu'il y avait plein de manières d'être européen. Alors, moi, si la définition d'être européen est vivre dans le cadre du traité de Lisbonne, c'est-à-dire dans le cadre de la libre circulation des capitaux, dans le cadre de libre-échange, dans le cadre de la Banque centrale indépendante et des politiques d'austérité qui sont déterminées par le jeu mécanique des traités, si ça c'est être européen, je n'ai aucun mal à dire que je ne le suis pas. En revanche, évidemment, il y a, grâce au ciel, plein d'autres manières d'être européen. Il y a être européen du point de vue des échanges culturels, du point de vue de la circulation des savants, du point de vue de la circulation des artistes, du point de vue du développement des traductions, du point de vue de l'histoire croisée de nos différents pays, etc. Du point de vue de la circulation des touristes, par exemple. Ça, ce sont d'autres manières. revenir à une théorie non européenne, à une monnaie nationale euh, sans échange avec les autres pays voisins, comment faites-vous Mais c'est absurde, cet amalgame. Pourquoi Lorsque euh, avant, 19, avant 2002. Nous avions des monnaies nationales. Oui, Avez on a oublié. On a oublié. Avez-vous vu que nous n'avions pas d'échange avec les autres pays On ne va pas retourner en arrière. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Si demain le néolibéralisme franchit un cran supplémentaire et supprime la sécurité sociale, et que je vous dis la sécurité sociale, il faut la reconstruire, est-ce que vous me direz on ne va pas revenir en arrière C'est passéiste moi, je vous dis non, je que vous ne me pas ça. Donc, le retour en arrière et le progrès sont des notions à manier avec un petit peu de circonspection. Mais Moi, ce je que, vous soutiens que... à l'Europe c'est qu'elle soit trop néolibérale. Oui, c'est ça. Je reproche à l'Europe de martyriser des peuples, comme le peuple grec, comme le peuple portugais, comme le peuple espagnol, et je dis que ça ne peut plus durer. Alors après, je dis également que on pourrait envisager de changer l'Europe, de faire un autre euro. Un euro qui serait social et progressiste à la place de l'euro austéritaire présent. Mais j'ajoute aussitôt, cette transformation-là, d'un euro à un autre, est un rêve de singe. Là aussi, il faudrait que je prenne le temps de développer tout ça. Vous voyez, c'est très long. On a, de bifurcation en bifurcation, on a quitté Spinoza, on est passé par On ferme la bourse et nous voilà à discuter des monnaies nationales voilà. ou de la monnaie commune. Mais on, et on va moi, revenir tête, à Spinoza, je... Non, non, non. Là, je, veux, je, veux, je voudrais terminer ce que j'ai à dire sur, euh, sur le sujet. Je pense que la disqualification du retour aux monnaies nationales procède d'un réflexe de pensée qui n'est pas analysé car en vérité, rien n'oblige à penser que retourner aux monnaies nationales consisterait comme hélas une caricature fréquente le, le soutient consisterait à s'enfermer derrière de hauts murs et comme en général les images à ce sujet ne sont guère subtiles, elles ajoutent des détails à base de forteresse, mirador, barbelé, etc., en ayant oublié, alors que ça ne date pas de si longtemps, que j'y reviens, pas sur le mode passéiste, mais sur un mode presque logicien, vous allez voir. Dans les années 45-75, nous avions une configuration des économies nationales et internationales qui avait tout lu depuis notre point de vue actuel pour être l'enfer sur Terre. Protectionnisme, non-liberté de circulation des mouvements de capitaux, contrôle d'échanges, nombreuses entreprises nationalisées, etc. etc. Et dans ce monde-là, l'enfer sur Terre considéré du point de vue de Pascal Lamy, hein, dans ce monde-là, je le rappelle une nouvelle fois, croissance à 5%, plein emploi, mais surtout, extrême droite inexistante dans tous les pays européens pas de tension entre les peuples européens, je vous signale que l'Europe, comme prospectus en faveur de la paix et de l'amitié entre les peuples, est en train d'en prendre un sacré coup. Angela Merkel est représentée en officier nazi dans les cortèges de protestataires grecs, les Allemands représentent à, sur la couverture d'un de leurs magazines les plus lus une Vénus de Milo en train de faire un doigt d'honneur, appellent les Grecs à vendre les îles des Cyclades et le Parthénon, je trouve que la paix entre les peuples n'a pas fait de très grands progrès ces temps-ci. Donc là encore, mais l... que proposez-vous, Frédéric Lordon Ah mais c'est pas Spinoza qui va nous Ah aider. non, là là vous voyez, on a quitté Spinoza depuis belle lurette. Là j'ai repris ma casquette d'économiste. Hein. Moi je pense que pour tout un tas de raisons que j'ai développées dans un certain nombre de textes et puis aussi dans un livre qui paraîtra d'ici quelques mois, la transformation de l'Europe est impossible pour un certain nombre de raisons très très profondes. C'est-à-dire passer d'une Europe de l'Europe néolibérale et austéritaire présente à une Europe qui serait sociale et progressiste, sans transition. C'est pourquoi je pense que le retour aux monnaies nationales, de toute façon, se fera du seul fait que surgirait, qu'émergerait un projet même de transformation de l'euro, et pour une raison très simple c'est que l'euro actuel est un euro qui a été conçu pour donner toute satisfaction aux marchés financiers. Je pourrais vous reprendre le détail des règles de politique économique et des agencements institutionnels de l'euro, un par un, et qui vous convaincrait de, de, du bien fondé de cette proposition. Par conséquent, tout projet de transformation significative de l'euro ne pourrait avoir pour sens que de soustraire précisément la monnaie européenne à l'empire de la finance et des marchés de capitaux. Ce que voyant, la finance et les marchés de capitaux déchaîneraient aussitôt une spéculation d'où résulterait l'éclatement de la zone euro et le retour forcé aux monnaies nationales. je dis que ce retour aux monnaies nationales n'est pas normativement parlant une catastrophe qui nous permettrait de recouvrer de très nombreux degrés de liberté économique mais aussi politique et que partant le retour à la souveraineté nationale Oui, absolument. Le retour à la souveraineté nationale, car je ne vois pas comment on peut contester l'idée, plus exactement, le retour à la souveraineté populaire car je ne vois pas comment on peut contester l'idée de souveraineté populaire d'un point de vue de gauche. Et ce n'est pas parce que le Front national ou les mouvements de droite à la droite de l'UMP ont essayé de capter, et réussi, semble-t-il, à capter ce thème, qu'il faut se laisser faire pour autant, car de dépossession en, dép en dépossession, nous finirons à poil. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté populaire la souveraineté populaire, c'est la capacité d'une communauté politique à décider collectivement de son propre destin. C'est une idée qui nous a été léguée par les Lumières, qui nous a été léguée par la Révolution française, et je refuse le stigmate du Front national et qu'on nous vole cette idée. La souveraineté populaire, d'ailleurs, c'est un petit peu plus que la souveraineté nationale, et ce serait ça la différence qu'il faudrait, qu faudrait marquer entre les deux. Et de même pour l'idée de nation. Si j'avais su que nous allions parler de ce thème, je serais venu avec quelques munitions, et en particulier avec une définition de la nationalité qui avait été donnée dans l'article 4 de la Constitution de 1793, la Constitution de Robespierre. C'est une définition de la nation par la citoyenneté, et c'est une définition qui est absolument admirable, car la nation n'est pas une commune... Si elle est une communauté finie, car la souveraineté populaire ne peut s'exercer que dans le périmètre d'un territoire fini, n'en déplaise au cosmopolitisme car on n'a pas vu encore l'ombre d'une communauté politique mondiale, ceci n'existe qu'en fantasme. Donc si la nation lieu d'exercice de la souveraineté populaire est une communauté finie, elle n'est pas pour autant une communauté close, et rien n'interdit que des étrangers prennent la nationalité française définie comme citoyenneté en particulier tous les travailleurs qui sont actuellement clandestins, qui payent leurs impôts, leurs cotisations sociales, ces gens là ont droit à la nationalité française précisément parce qu'ils s'acquittent de leurs devoirs citoyens le plus fondamental, peut-être, qui est le devoir lié au consentement fiscal, là où des Bernard Arnault, des Jérôme Cahuzac, des Depardieu et des Johnny se baladent dans le monde comme dans un self-service à passeport pour faire de l'optimisation fiscale. Et donc voilà ma redéfinition de la nation française, et celle-là, elle ne va pas plaire au Front National. Bernard Arnault, pas français. Johnny, pas français. Cahuzac, pas français. Mais tous les travailleurs clandestins qui aspirent, eux, à payer des impôts, sont français de plein droit. Mais il faudrait que vous fassiez de la politique, Frédéric Lordon. Ah non, ça, j'en ai aucune intention. Je, je, je serais une calamité. Donc je me contente de faire ce que je sais faire dans le petit segment de la division du travail qui est le mien, et je m'y trouve très bien comme ça. Un des objectifs importants, de la sortie de l'Union européenne, c'est que nous allons mettre un terme à la libre circulation des mouvements de capitaux, article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article qui dit que toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sous entendus de l'Union européenne sont interdits. Cet article-là, c'est celui qui a été créé par le traité de Maastricht de 1992, qui a été repris dans le traité de Lisbonne. Cet article n'explique que les délocalisations. que l'on supprime d'ici 1992 tous les obstacles à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Autrement dit, les quatre libertés prévues dans le traité de Rome. Enfin, l'achèvement de la libération des mouvements de capitaux. En 1986-87... « Une étape importante a été franchie. Elle concernait les opérations financières. Reste maintenant à organiser la phase finale de cette libération qui portera sur les transactions monétaires. Les entreprises pourront ouvrir un compte, effectuer leurs opérations dans les devises et les pays qui correspondent à leurs besoins. Voilà. » Avant, sous Vincent Auriol, sous René Coty, sous Charles de Gaulle, sous Georges Pompidou, sous Valéry Giscard et sous François Mitterrand jusqu'en 1992, il n'y avait pas de délocalisation. Voilà. Ce qui a permis les délocalisations, c'est cet article-là. C'est pour ça que Montebourg, il vous dira, oui, mais d'une France, et si ça, ou M. Mélenchon, on leur dit, et l'article 63. Alors à ce moment-là, ils disent, mais on va piétiner les traités. Mais on ne peut pas piétiner les traités parce que la Cour de justice de l'Union européenne, ce dont ils ne parlent jamais, parce qu'il y a un organisme qui est chargé de faire respecter les traités par les, par les, par les pays. Donc votre question qui me dit l'évasion des capitaux, eh bien, nous rétablirons le plus vite possible. Le, le, la, 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 les contrôles et mouvements de capitaux.